des dizaines de milliers de pliages papier étalés sur le parquet de la salle des fêtes. Des origamis réalisés depuis le mois de septembre par 400 personnes de tous âges, de la commune ou bien des environs. Pour tous, un même objectif, voir la chapelle Saint-Ursin, inscrire son nom au Guinness Book pour le plus grand nombre d'origamis jamais réalisés et réunis. C'est un jeune chapellois qui a fait cette proposition parmi d'autres. Par exemple, les autres, il y avait faire une pyramide de gobelets la plus haute. La même chose avec des tubes de papier WC. Et du coup, nous, on a retenu celle des origamis. Pourquoi ? Bah parce que pour le jour J, ça prenait moins de temps à installer et c'était plus facile. Jusqu'à ce jour, le record est détenu par des Autrichiens. En juillet dernier, ils ont aligné pas moins de 21 564 de ces petits pliages en papier. Chiffre dûment homologué, à la chapelle Saint-Ursin, toutes les précautions ont été prises pour, là aussi, officialiser les chiffres. On a eu 9 personnes, donc assermentées par le livre des records, qui ont fait le comptage des origamis un par un. Donc voilà, 9 personnes, ça fait 10h10 de comptage. Et après, on a eu 3 autres personnes qui ont bien vérifié les lignes d'origami comme ils sont agrafés par 50. La chapelle est habituée à ce genre de défi. Il y a 2 ans, toujours pour le Téléthon, la commune avait établi le record du plus grand nombre de Scooby-Doo.